La destruction est un moyen d'expression fascinant, permettant de symboliser la perte de nos idéaux et par moments de simplement montrer une forme d'exutoire cinématographique poussée à son extrême. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui voit l'idée même de destruction comme un moyen de remettre en cause notre société et nos idéaux. Roland Emmerich est un réalisateur d'origine allemande qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 37 ans. Il s'est rapidement imposé comme un auteur de cinéma grand public capable de prendre en main des machines de guerre cinématographiques, comme on en fait de moins en moins aujourd'hui, ces espèces de monstres ancestraux qui représentaient la base des blockbusters qui cartonnaient et qui passionnaient les foules par leurs dimensions gargantuesques et monstrueuses. Emmerich a toujours été fasciné par la destruction des symboles, et c'est en cela qu'il s'est imposé comme un cinéaste de la destruction des rêves, mais surtout d'un en particulier, un rêve qui a toujours passionné le monde et qu'il s'est souvent, voire même presque toujours, amusé à moquer ou à taquiner au travers de son art. Le rêve américain dans ce qu'il a de plus extrême et de plus réducteur par la même. Emmerich adorant voir les États-Unis comme une nation fermée sur elle-même, ne cherchant qu'à se satisfaire et se regarder le nombril. C'est en cela que son cinéma et ses longs-métrages les plus populaires sont passionnants. Ils imposent à chaque fois, ou presque, un regard décalé et souvent critique sur le nombrilisme de l'état d'esprit américain, allant jusqu'à critiquer l'essence même de certains archétypes de cinéma. Mais Emmerich est avant tout un cinéaste passionné par l'action, ce genre poussé dans son extrême le plus dantesque, reposant avant tout sur un déluge de péripéties rocambolesques. C'est en cela que souvent, il a cherché à tester la base même de ce cinéma pour voir jusqu'où il pouvait aller dans ce genre pour le faire évoluer. Un jeu qui pousse parfois son cinéma à devenir un peu trop extrême et à nous laisser sur le banc de touche, il faut l'admettre, car même s'il s'est toujours imposé comme un metteur en scène fougueux et fasciné par le mouvement, il n'empêche que son cinéma atteint souvent ses limites. Comme une nécessité de se remettre en cause, Emmerich a souvent questionné ses propres idéaux cinématographiques en revenant à un cinéma plus intime où il pouvait questionner de nouveaux genres pour comprendre un peu plus la base de son cinéma. C'est ainsi que régulièrement, Emmerich cherche à raconter une histoire universelle. Une aventure humaine qui permet aux spectateurs de comprendre un peu plus le monde qui l'entoure. Un homme des cavernes questionnant son époque ou un auteur face à un questionnement identitaire, c'est cela qui rend l'homme derrière Emmerich encore plus fascinant que son cinéma. C'est en cela qu'Emmerich n'est plus simplement un destructeur audiovisuel, mais semble vouloir également détruire son œuvre comme pour la remettre en cause et en comprendre le véritable sens iconographique et cinématographique. La destruction au service d'un fun du spectateur amenant parfois son cinéma à perdre un peu trop le sens qu'il veut lui donner, cette idée de remettre en cause les idéaux d'une nation ou d'une société pour en comprendre la base humaniste et ainsi permettre au spectateur d'explorer un peu plus que simplement les bases d'une remise en cause. Plonger dans le cinéma de Roland Emmerich, c'est chercher à questionner, au travers de la destruction audiovisuelle, l'essence même du cinéma et d'un contexte cinématographique. En faisant cela, Emmerich ne se contente plus simplement d'être un destructeur audiovisuel, mais cherche également à questionner son sens graphique et esthétique.